Salut à tous, voilà qu'on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo comment créer des comptes de connexion pour des différents VPN. Cependant, je vais vous apprendre ce qu'on appelle des coupons et aussi des vouchers. Maintenant, je vais vous présenter comment créer un compte Your Freedom en premier lieu, comment créer un compte Finch VPN, comment créer un compte TunnelBear, comment créer un compte WinDescribe, comment créer plein de comptes. Nous allons faire autre 50 pour certains types de VPN. Nous allons faire pour certains types de VPN comment les configurer et aussi pour finir le pompage de data avec Orange Move, Orange et Move CI. Je vous ai promis les codes de pompage de data. J'ai mis la vidéo, si vous avez vu la vidéo précédente, avoir le pompage de data rechargé jusqu'à 50 gigas de connexion. La fin du code est dans cette vidéo, donc soyez très attentifs parce que je mettrai cela au cours de la vidéo. Donc restez justement connectés à notre chaîne YouTube et patientez. Maintenant, nous allons nous rendre dans les top 10 des VPN et nous allons choisir justement 5 et créer des comptes. S'il y a des coupons, nous allons insérer des coupons pour pouvoir profiter de la connexion Internet. Comme cependant, je vous présente WinDescribe qui est aussi valable sur Android. Comment avoir ce qu'on appelle des coupons ou encore le voucher en anglais. Maintenant, nous avons les CyberGhost et bien d'autres. Maintenant, on va commencer. Nous allons commencer par Finch VPN. Nous tapons justement dans notre navigateur. Finch VPN. On est là maintenant. Voilà Finch. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il nous faudra une adresse mail temporaire, une adresse valable pendant 60 minutes sans inscription. Voilà, justement, j'utilise donc. En fait, on copie là et cela nous aidera à créer notre compte. On a dit You will use this to login to Finch VPN. To login Finch VPN. Maintenant, c'est un username, donc un nom d'utilisateur qu'on nous demande. Justement, on va choisir un nom d'utilisateur banal avec une combinaison de chiffres, encore appelé un pseudo. Donc, on va écrire chronique tuto 1, 2, 3. On entre le mot de passe chronique tuto 1, 2, 3. Chronique tuto 1, 2, 3. Et ensuite, maintenant, on entre l'adresse email. Et tout ce qu'il nous faut, c'est de confirmer l'adresse email. Mais généralement, ces types de VPN aussi en ce qu'on appelle, ils reconnaissent les adresses mail temporaires, donc cela pourra peut-être déranger, mais vous pouvez utiliser votre adresse mail de votre boîte, peut-être Yahoo ou bien Twitter ou aussi Yahoo Mail ou aussi Gmail. On essaye maintenant. Yahoo.net, on fait register. Espérons que cela doit prendre, donc justement patientez que notre Finch VPN crée. Nous avons une authentification par le DDoS, le Protection by Clouffer, qui permet de vérifier si nous ne sommes pas des robots qui essayent de créer des comptes. Voilà, nous avons notre adresse mail a été envoyée justement ici. On patiente. Voilà, c'est très rapide ce service mail. Nous avons déjà chronique activer du account. Vous activez justement votre compte. Maintenant, nous avons fini avec le Finch VPN. Si vous êtes abonné, bien sûr, à notre chaîne YouTube, j'espère que dans les premières vidéos de ma chaîne YouTube, vous avez vu comment configurer Finch VPN. Je vous demande justement de regarder dans mes vidéos, dans les archives de mes vidéos, comment utiliser Finch VPN. Vous verrez un endroit requis pour le nom d'utilisateur et le mot de passe créé. Nous avons ici le nom d'utilisateur qui est Chronique 1, 2, 3. Nous avons là. Et voici, en passant, vous avez vu, chronique 1, 2, 3. Et le mot de passe est chronique cracker 1, 2, 3. Maintenant, voilà ce que nous allons faire. Nous allons encore choisir un VPN au choix qui est Droid VPN. Nous allons choisir Droid VPN. Mais avant de prendre Droid VPN, nous allons d'abord choisir Your Freedom. Your Freedom. Nous allons sélectionner Your Freedom. Et justement, patienter, venir sur Click to Register. On copie justement encore cette adresse email. Temp.ml. Voilà. On copie cette adresse email pour créer notre compte Your Freedom. Username, on écrit chronique
tuto 1, 2, 3. Chronique tuto 1, 2, 3. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Voilà. L'adresse email, on met justement notre adresse email et on coche toutes les cases, on accepte toutes les licences et bien d'autres. Maintenant, le first name, on met n'importe quoi parce que c'est un compte valide justement tous les 60 minutes. On remplit et non pas des fichiers robustes pour pouvoir sélectionner. On prend n'importe quel pays, le numéro de téléphone. On entre dans n'importe lequel. Bref, ça va prendre du temps. On clique sur Submit. Une fois envoyé, on peut enregistrer notre mot de passe. Voilà, login. On peut se connecter à notre compte. Bon. Avant cela, nous allons confirmer. Nous attendons justement le mail ici dans notre boîte de mail temporaire. Voilà. Justement, en patientant, on attend justement que cela s'affiche. Donc, voilà, nous avons reçu le message de Your Freedom. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher le lien de vérification qui est là avec notre chronique et l'authentification. On clique sur suivant. Et ensuite, on active le compte. Le compte a été activé avec succès. Nous allons réessayer de nous connecter, justement. Voilà, vous avez vu, nous sommes connectés là au nom Chronique Hacker et bien d'autres. On va aller sur Home. Chronique Tuto 1, 2, 3. Vous pouvez faire les paiements. Vous pouvez acheter vos VPN. YourFreedom est l'un des meilleurs VPN qui se connecte en DNS, comparable à ce qu'on appelle Silor DNS. Donc, Your Freedom est l'un des meilleurs VPN. Maintenant, on a fini dans la catégorie de Your Freedom. Nous allons lancer dans la catégorie d'un VPN qui est semblable à Your Freedom dans la famille de Troid VPN sur Android, WebTunnel, Amer VPN et Silor DNS appelé Tunnel Guru. Voilà, nous lançons Tunnel Guru. Vous avez vu, ça supporte les protocoles SSL, DNS, PPFTP, L2TP, SSTP, TCP et UDP. Incroyable. Nous sommes ici dans Tunnel Guru. Maintenant, nous allons aller sur Registration. Vous pouvez télécharger Tunnel Guru. Voilà. Le username, encore, on va prendre comme d'habitude de chronique tuto. On entre notre adresse email là, le pays, on met peut-être là Mali, si on veut, on met Mali. Voilà, on met le Mali. Maintenant, on entre, demande d'entrée de CAPTCHA. Respectez la majuscule et la minuscule, mais dans cette phrase, nous n'avons pas de minuscule, donc c'est limite. Bon, justement, on clique sur Register. On clique sur OK et on vérifie encore notre messagerie. On fait retour à la liste. Eh bien, on patiente justement. Voilà, registration successful, check mail. L'enregistrement a été effectué avec succès. Vérifiez vos adresses mail. On peut justement patienter le message venant de Temp Mail. Provenance de la messagerie Temp Mail. Temporary mail. Donc, on patiente. On peut actualiser parce que nous sommes pressés vraiment. C'est une vidéo. Donc, voilà, nous avons reçu le message du Tunnel Guru. On va lire le message et confirmer. Voilà notre nom d'utilisateur et notre mot de passe que nous utiliserons dans l'application Tunnel Guru. Cependant, si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube, vous allez peut-être vous aviez vu une vidéo avec Tunnel Guru dans les premières vidéos autant que j'ai publiées sur la chaîne YouTube. Donc, vous pouvez maintenant
activer en cliquant là pour recevoir encore un bonus de data. Maintenant, pour cela, il vous demande de faire ce qu'on appelle le backlinks. Donc, justement, vous allez partager le lien de Tunnel Guru dans votre Twitter. Question d'amener vos amis pour... Bon, question d'amener vos amis. Et là, vous aurez 3 gigas de data gratuit par mois. Donc, voilà ce que vous allez faire. Il suffira de faire un follow. Vous devez faire un follow. Donc, les gens vont vous suivre sur Twitter et cela vous donnera jusqu'à 3 gigas de connexion. Maintenant, on peut aller sur follow. Ça, c'est comme un voucher code. Voilà, on fait enregistrer et en fait, nous sommes abonnés à Tunnel Guru. Donc, voilà notre nom d'utilisateur Tunnel Guru. On dit la campagne a été sa respiration. Il s'agit de cette campagne. Vous pouvez modifier cette date dans mes campagnes. Voilà, cliquez ici pour recommencer. Bref. On pouvait payer par nos tweets. Voilà, justement, on va copier notre nom d'utilisateur Tunnel Guru et coller dans un bloc-notes. Question de ne pas l'oublier. Donc, voilà, on va créer, on va copier là. Voilà. Maintenant, on va créer ce qu'on appelle le compte WinDescribe, qui est l'un des meilleurs VPN. Je vais vous présenter d'abord son interface. Il me reste 47 gigas. Justement, j'ai reçu ce qu'on appelle le code de voucher et le coupon de connexion pour WinDescribe. Maintenant, nous allons lancer WinDescribe. Et aussi, pour ceux qui veulent gagner de l'argent avec WinDescribe est facile et vous donne des bitcoins et bien d'autres dons. Justement, on va s'inscrire à WinDescribe. On vient ici sur s'inscrire. Le même processus, on part avec nos adresses temporaires, nos adresses mail temporaires. Voilà, justement, on va se connecter à WinDescribe. Bon, c'est pas voilà. Nom d'utilisateur, on va entrer. Chronique, tuto, mot de passe. On entre chronique, tuto, 1, 2, 3. Chronique, tuto, 1, 2, 3. Et notre adresse mail est là. On crée justement le compte. Voilà, on vient de créer le compte. On peut enregistrer la configuration. Comme vous avez vu tantôt, voilà. Quand nous devions confirmer notre adresse email, nous recevrons jusqu'à 10 gigas de connexion. Comme vous voyez ici, j'ai déjà commencé 10 gigas que j'ai consommé. On va vérifier notre boîte mail. Patiente, on a le message de WinDescribe. Le service était plutôt rapide. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle le tweet data. Si vous faites un tweet, je vais vous expliquer le problème. Si vous faites un tweet, c'est-à-dire vous faites un follow à WinDescribe, vous recevez par mois plus 5 gigas. Si vous invitez vos amis avec un lien, là vous recevez 1 giga par mois. Donc chaque mois vous recevez au moins 1 giga. Maintenant vous pouvez gagner de l'argent avec WinDescribe, avoir des bitcoins, avoir beaucoup d'argent. Justement en rendant rentable votre vie par la publicité de WinDescribe. Justement dans une autre vidéo, je vous présentais comment rendre sa vie rentable avec les différents VPN. Là, voilà, on confirme d'abord notre adresse email. Voilà, l'adresse email était confirmée. On peut réactualiser là. Vous avez vu, avant, on avait ce qu'on appelait un code appelé le coupon ou bien le voucher qui nous permettait de recharger jusqu'à 50 gigas de bonus. Mais ce voucher n'est plus valide. Donc, justement, si vous êtes abonné ici, de temps en temps, de temps à autre, vous allez recevoir un mail
permettant. Voilà vos liens si vous voulez vous rendre votre vie rentable avec WinDescribe. Si vous voulez gagner de l'argent avec WinDescribe, justement, vous prenez ce lien, vous publiez avec vos amis, vous partagez avec vos amis. Et justement, maintenant, vous allez recevoir un peu d'argent dans votre compte. Question d'avoir la possibilité de profiter des programmes de Netflix, d'utiliser des VPN tels que Netflix, la Grèce, la Hongrie, Islande, Irlande et Israël. Et bien d'autres pays aussi. Donc, vous avez la possibilité. Parce que là, je ne peux pas profiter avec tous ces pays. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser WinFlix pour les Netflix. Maintenant, nous avons fini avec WinDescribe. J'espère que vous avez aimé WinDescribe. Et maintenant, je présente encore un VPN qui est appelé TunnelBear. On va entrer à TunnelBear. Il justement vient dans le site de TunnelBear. Nous avons là login, nous avons download. Vous pouvez télécharger le VPN là. Et maintenant, on va aller sur login. Login. Voilà. Et là, maintenant, nous avons l'interface de connexion de TunnelBear. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous n'avons pas encore de compte. Qu'est-ce qu'on fera? Bon, on part sur TunnelBear Account. Create Account. Voilà, on va entrer notre adresse email, notre adresse temporaire. Et le mot de passe, c'est chronique. Tuto 1, 2, 3. On clique justement sur Create Account. Voilà, notre compte a été créé avec succès. Nous pouvons maintenant télécharger l'application TunnelBear qui pèse 64 mégas. Donc justement, nous allons venir dans notre messagerie temporaire, autant pour moi, vérifier le message de TunnelBear et confirmer l'adresse email. Enfin, vérifier mon compte. Donc, cette vérification permet vraiment de vérifier si vous n'êtes pas un robot qui essaie de créer des comptes anonymes à tort à travers. Donc, cela permet de confirmer que vous êtes un humain et que vous avez la possibilité de créer des comptes parce que des robots ils font des trucs automatiquement. Voilà, nous avons créé notre compte TunnelBear. Cette vidéo arrive à sa fin. Dans d'autres vidéos, nous montrerons comment configurer ces différents VPN si nous n'avons pas encore faire une configuration concernant ces VPN. Et aussi, j'espère que en commentaire, vous diriez quel est le VPN qui vous a beaucoup plu, quel est le VPN que vous avez trouvé super intéressant. Donc justement, j'attends en commentaire vos avis. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour pouvoir profiter des prochaines vidéos concernant l'Internet et concernant la connexion gratuite via les divers opérateurs. Abonnez-vous et mettez justement un like en dessous de la vidéo. Et pour les liens, ils sont justement dans la description de la vidéo.